Je t'ai dit de sauter, bordel de cul! Thank you.
Voilà, c'est ok. Salut Shoryu, qui commence à foutre le bordel. Bon, moi je vais rechoper mes maps d'hier. Alors j'ai voulu en faire une eau propre, mais ça m'a saoulé. Donc j'ai rejoué tantôt sur mon CPC et j'ai trouvé quelques petits trucs en plus. Et je suis tombé sur une pièce dans ma map. Je sais pas comment. Et je faudrait que je regarde ça. C'est vers le niveau 1. Je sais pas comment je suis tombé dessus. Putain, la vache, comment ça gueule là-haut, les voisins, ils sont complètement cinglés. Oh, ça claque les portes et tout. Putain, ils sont barjots quand même. Oh, et puis y a un gamin qui pleure et tout, je sais pas ce qui se passe là-dedans. Mais... par contre, on voit que dalle là sur la couleur de l'écriture du chat. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit écrit en blanc. Je sais pas si on peut y faire quelque chose. Désactiver la source quand elle n'est pas visible. Je crois que c'est dans Streamlabs qu'il faut que je fasse ça. Parce qu'en fin de compte, je vous vois pas bien. Alors, hop. Streamlabs. Normalement, je dois pouvoir changer. Ah, salut Mike. Ouais, la suite de zombies. Alors, j'ai trouvé des trucs. J'ai trouvé des trucs. Et notamment, je suis tombé sur une pièce de plus là dans mon plan. Mais je sais pas comment j'ai fait. Je vois à quel endroit c'est à peu près. Parce que je vois d'où je suis venu. Mais du coup, j'ai pas vu qu'il y avait un zombie, je me suis fait buter et j'ai pas pu ressortir de la pièce pour voir exactement d'où je suis venu. Enfin bref. On verra bien. Là, je cherche à changer la couleur du chat en fait. De la chatbox. D'ailleurs, je suis en train de me demander, mais la chatbox là. À tous les coups, c'est le chat de Twitch qui est là. On voit pas les à tous les coups les commentaires qui viennent de YouTube. Il faudrait que ce soit en fin de compte le chat de Restream. Embed in stream. Donc ça doit être ça. Ouais, 8 bits, 8 bits, c'est 8 bits compact. Ouais, ça peut être pas mal ça. Faudrait une écriture qui soit blanche. Background opacity. Ouais, c'est pas plus mal. Scale. Ouais, ça c'est pas mal. Hide message after 30 secondes. Ah bon. Alors on va les mettre un peu plus que ça quand même. Je sais pas, 120 secondes, ça fait quoi, 2 minutes? Copie. Launch. Fais quoi si je fais launch? Ok, ça me met ça là. Et si je l'inclus dans mon OBS? Ah, salut Rotor le vrai. Alors navigateur, chat.
Putain. Restream. Je tape ça. Désactiver la source lorsque machin blablabla. Non. Faut que je change l'échelle parce que c'est pas possible. Largeur, je sais pas moi. C'était quoi, 300. Hauteur, 400. Si je fous ça là. Ouais. Coucou ma chérie. Alors attends, je suis en train de... Ouais, non, je vais pas mettre ça un truc si haut que ça. Hauteur 300 aussi. D'accord, ok, très bien. Ce qui me permet de faire déborder un peu sur l'écran. Si je fais un test. Ouais, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible quoi, il n'y a pas les couleurs des pseudos et tout ça quoi. Et quel genre de setting est-ce? 8 bits compact, c'est quoi ça? Preview, ouais. Copie, launch, je vais changer ça. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Ça change pas grand chose. Hein. Non, je vais laisser l'autre chat, il était pas mal. Par contre, c'est chiant, on voit pas. Faut que je change ça dans. Oh, que je suis con, j'ai fermé mon stream chat. Donc, s'il y a des gens sur YouTube, je peux pas voir ce qu'ils disent. Hop, stream cross platform chat. Voilà. Ouais, et donc il doit y avoir un truc là-dedans, boîte d'alerte, tous les modules. Chatbox. Et à tous les coups, mon texte, il est resté en bleu. Ah bah ouais. Il est en bleu. Bah, je vais le mettre en jaune, comme l'Amstrad. Ça devrait être visible. Enregistrer les paramètres. Test. Ah ouais, c'est mieux. D'ailleurs, si même je pouvais écrire en gras, ce serait quand même pas plus mal. Il n'est pas bold là-dedans. Moi, ouais, non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Hop là, ça je ferme, ça aussi. Bon, ben on va continuer ça. On va continuer zombie. Tiens, ça n'a pas été mis à jour non plus, ça. Où est-ce que c'est barré? Bah, c'est marrant ça, il n'y a pas. Il n'y a plus mes trucs de viewer là. Je vais faire un copier-coller. Hop, copier. Coller ça dans la scène. Merde. Raté, voilà.
Comme ça, je peux voir. Elle me casse les burnes, cette souris, mais sans déconner. Elle me fait des doubles clics. Connasse. Hop là. Ça vient d'où la musique de fond? Attends que je regarde, c'est où la musique de fond, elle est là. Elle est assez forte ou pas? En fait, ça vient d'un jeu. C'est Prohibition sur Amstrad CPC. Et j'en ai fait une version métal, en fait. Je me suis amusé à faire un arrangement un peu saturé. Hop. Alors, je me suis même fait une disquette vierge pour sauvegarder ma partie de zombie. C'est dire que là, je suis à fond. Hop. Alors, zombie. Oh putain, que c'est vraiment de la merde Windows pour s'y retrouver là. Ils peuvent pas foutre le dossier téléchargement dans bibliothèque là, plutôt que de faire chier à foutre ça ailleurs. Hop, zombie. Face A. Tac, run, zombie. Not found. Ah oui, il faut pas de. Là, on va passer à l'action dans Zombie. Alors, j'ai fait des trucs moi sur le jeu tantôt. Celle aussi, il faudra que je me la fasse à la gratte. Ça, là. Il y a moyen d'adapter ça avec un phrasé un peu à la Friedman. Disquette. On va mettre la disquette face B. Ok. Et appuyer sur entrée. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, ce que hier j'ai pu faire dans toute la map. J'ai découvert que dans une pièce, il y avait trois clés. Et en faisant la map, on a découvert trois camions. Seulement, j'ai un peu merdé au niveau de la map de extérieur. J'ai pas le crayon qui est là. Il faudra que je vérifie quand même un petit détail concernant l'extérieur. Je suis pas très sûr de moi, j'ai pas fait le devant en fait. Je sais pas si on peut y aller d'ailleurs. Je suis pas sûr. Non, je prendrai pas de risque à aller par là. Hop. Alors, on va commencer hop, à se déplacer. Moi, je vais démarrer les camions et je vais boucher l'entrée. Alors, par contre, j'ai découvert un truc, c'est qu'en bouchant l'entrée, et ben, le perso il peut plus rentrer dans le supermarché en fait. Allez, zou. Donc il faut aller au niveau 1. Pour pouvoir aller dehors. Il
Donc c'est par là, j'ai découvert une pièce, mais je sais plus comment j'ai fait pour y aller. Ça, je verrai après. Non, je veux pas rentrer dans l'ascenseur. Je veux aller dehors. Alors, je vais encore par là et ensuite je vais tout droit. Là, je trouve. Hop, j'ouvre vite la porte et je rentre vite à l'intérieur. J'ai 9 secondes pour le faire. Ah, mais merde, mais je suis con, moi. Je me dépêche d'aller dans le camion, j'ai pas chopé les clés. Quel blaireau. Allez, on ressort. Donc là, on recule. Et ensuite, on va à droite. Donc, ouais, faut quand même que je prenne le. L'ascenseur, alors je sais, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait avec l'ascenseur parce que j'ai pas réussi à aller. Alors il faut que je nique les zombies de toute façon. Et il y en a deux à chaque fois. Alors ça, c'est vraiment pénible. Par contre, je vais me dépêcher d'appuyer sur le bouton qui va au quatrième, s'il veut bien. Voilà. Allez, c'est parti. C'est le début du jeu là, mes doigts ils sont en forme. Ah, et il y en a un deuxième. Putain, j'ai du mal à un deuxième. Ouais, deux, c'est n'importe quoi là, d'en avoir foutu deux. Alors oui, donc là on peut pas ressortir de l'ascenseur. Donc il faut passer par un autre étage. Alors je sais plus lequel. Est-ce que c'est le 3? Parce que depuis le 1 on peut pas y accéder. Non, c'est pas ça. Il faut que j'appuie sur le bouton. Alors, on va au troisième. Alors est-ce que je suis bien. Merde, c'est pas ça. Est-ce que je suis bien au troisième? Ouais. Alors maintenant, je vais au quatrième. Est-ce que je suis bien au quatrième? Ouais, c'est ça. Voilà, donc hier, on a essayé d'appuyer sur les deux boutons là. Visiblement, ça marche pas. Donc, le machin, soit il faut le réparer, soit je sais pas trop. Mais en attendant, je vais prendre les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. C'est les clés. Hop. Je suis resté sur mes impressions que j'avais quand j'étais gamin. Alors ensuite, on redescend au premier. Voilà. On sort. Voilà. On va par là. On la sortie. J'avais dit devant. On rentre dedans. Alors, un coup de peau, c'est qu'il n'y ait pas de zombies dans la cabine du camion, quoi. Alors c'est pareil, il y a des trucs que j'ai pas testé. Je vais voir aussi si on peut ouvrir la boîte à gants. Non. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Non plus. Donc a priori c'est que les trucs qui sont colorés quoi. Alors il faut que je prenne en main une clé. Et j'avais fait quoi déjà? Rien du tout, il suffisait juste ensuite d'appuyer sur le bouton. Voilà.
Et là, c'est marqué porte d'entrée bloquée. Donc ça veut dire que sur mon plan, là où j'ai dessiné le petit camion ici, et ben en fin de compte, le camion, et ça je me suis fait avoir plusieurs fois, il est descendu sur la case d'après. Donc en fin de compte, le jeu en tient compte. Donc il est là. Donc faut pas que je m'embête à aller en haut. Alors je peux pas aller à droite, je peux plus rentrer. Donc je suis obligé de descendre en fait. Pour faire le tour. Le tour, hop, et ensuite aller au deuxième camion, puis au troisième. Donc c'est ça que j'ai fait tantôt, entre autres. Là, je me suis vite retrouvé bloqué. Hein. Donc là, je vais sortir du camion. Et là, j'ai dit, on recule. Alors, on recule une fois. On recule une deuxième fois. On recule une troisième fois. Une quatrième fois. C'est le même graphe. Et là, le prochain coup, le graphe change. On est au coin. On est au coin. Ensuite, on va à droite. On retrouve un camion. On retrouve un camion. On ouvre la porte vite fait. Hop. On se dépêche de rentrer dedans. Et je fais la même chose. Tac. Donc là, on tourne. Hop. Entrée bloquée. Moteur arrêté. Ok, donc là, je me retrouve ici. Alors là, il va falloir que je fasse tout le tour. Alors, si je me suis pas trop planté dans mon plan. Donc là, il est en face de l'entrée. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 fois à droite. Quel bordel! Ben non, c'est super logique. Alors bon, après, c'est le jeu qui te dit que tu bloques l'entrée en fait. Hein. Toi, tu fais juste de démarrer le camion, puis tu découvres en fait tu bloques l'entrée. Donc c'est pour empêcher les zombies de rentrer, quoi, en fait. Et avec le plan, en fait, finalement, c'est cohérent. Et puis le fait d'être tombé sur trois clés, et puis qu'en ayant fait le plan, on voit clairement trois camions, bon, voilà, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour deviner le truc. Mais sans plan, c'est pas possible. Ça, c'est un truc impossible à faire. Donc là, je vais sortir du camion, et j'ai dit, il faut que je fasse 1, 2, oh, oui, 1, 2, 3, 4, 5 fois à droite. Hop, alors je vais sortir. Et à droite 5 fois. Alors 1, 2, 3, 4. Et à la cinquième, je joue un coin. 5, voilà. Hop, on met sur pause. Donc là, c'est bien ça. Ensuite, avant de pouvoir aller à nouveau à gauche, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois en haut. Normalement, 4 fois en haut me permet d'aller à gauche. Et on voit là-bas qu'on peut tourner à gauche. Donc il faut que je fasse 4 fois en haut. 1. Non, on avance. Alors 1. 2. 3. 4. Et là, je peux aller à gauche. Une fois. Et là, j'ai le camion. Là, j'ai le camion. Pause. Donc là, mon plan, il est bon, du coup. Du coup, mon plan, il est bon. Alors, c'est là que j'ai un doute. Est-ce que je peux encore aller une fois à gauche? C'est là que je me demande si j'ai pas merdé dans mon plan.
Oui. Je peux aller encore une fois à gauche. D'accord. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il me manquait une pièce là. Donc je vais revenir à droite et je vais grimper dans le camion. On ouvre la porte. On se grouille. Et on rentre dans le camion. Qu'est-ce qui me reste? Alors c'est marrant parce que j'ai les trois clés. Ah oui, non, c'est vrai, il a arrêté les moteurs. Donc normal. On appuie sur le bouton. Voilà, porte d'entrée bloquée. Moteur arrêté. Donc à partir de là. Je me demande si on n'est pas obligé de sacrifier un perso, parce que là, Patrick, là, il peut plus rentrer dans le supermarché, là, c'est mort. Donc là, je suis obligé de prendre un autre perso. Donc je vais le laisser dans le camion. Et il peut rien en faire, quoi. Donc lui, il s'est sacrifié, on va dire. Je vais choper un autre perso. Alors, on va prendre lui, là. Il n'a pas l'air facile. Il va faire peur aux zombies. Hop. Et donc, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire là? Déjà, il va récupérer peut-être un flingue. Alors moi, je me dis, si ça se trouve, vu qu'on a bloqué l'extérieur, il faudra peut-être faire le ménage à l'intérieur. C'est-à-dire tuer les zombies qui restent et qui sont à l'intérieur. Mais par contre, je n'ai encore pas testé l'utilisation des fusils et des pistolets. Alors il va falloir que je teste ça aussi. Mais par contre, je vais sauvegarder ma partie. Hop, la petite cassette qui est là. Voilà, introduire disque formaté. Très bien. Alors, blank disque zombie. Paf, et appuyer sur entrée. Comme ça, si je me plante, je sais que je peux revenir ici. Où est-ce qu'il est mon dossier? On peut pas personnaliser les barres là comme dans Mac. Putain, c'est vraiment de la merde dans Windows. C'est vraiment pas pratique. Putain, mais où est-ce que c'est barré ça? Toujours pas ça. Putain, mais sans déconner, c'est vraiment de la merde. Où est ce putain de dossier téléchargement là? Peut pas foutre un truc là, putain. Envoyer vers bureau, créer un raccourci. Parce que j'en ai vraiment plein le cul. Hop là. On remet la face B. Ok.
Alors lui, il va aller. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, bah, il va aller chercher un flingue. Et je vais tester les flingues. Alors les flingues, c'est niveau 2. J'avais noté niveau 2. Merde, c'est ça que je veux. Putain. Confirmation, oui, non, non, à tous les coups. Voilà. Hop, c'est parti. Donc j'ai dit niveau 2. Tout droit. Putain, il y a un zombie là. Faut choix rapide. On va faire tac. On prend un flingue. On va carrément ça, tiens. Tac. Ah merde, je suis obligé de faire ça manuellement. J'ai pas même pas eu le temps de prendre mon flingue. Bon, par contre, je vais compter le nombre de zombies que je tue une fois que les camions ont fermé les accès. Hop, un bâton. Alors maintenant, je vais prendre en main ça. Merde! J'ai suicidé mon perso. Il s'est tiré un coup de carabine. Oh putain! Oh, on peut se suicider dans le jeu! Quand la terreur est intenable, on peut se suicider. Bon, bah j'ai bien fait de sauvegarder, hein. Et donc on peut tirer sur ses potes, quoi, en fait, finalement. Oh le bordel dans le jeu, c'est n'importe quoi. Bon, bah je vais recharger une partie alors. Donc c'est ça. Remettre la phase 2 du disque. Ok. C'est reparti. Putain, j'ai buté mon perso, moi je suis vraiment un blaireau quoi. Alors j'ai dit niveau 2. Il n'y a pas de scrolling hein, sur la version 64K. C'est vraiment sympa d'avoir fait ça. Alors attention, là faut le choix rapide. Tac, je prends ça. Tac, je prends en main. Yes! D'accord, j'ai compris. En fait, il faut que le petit curseur, fin de compte. En fait, non, j'ai pas compris. J'ai vu le curseur, j'ai appuyé. Bon, c'est la première fois que je tue un zombie avec un coup de carabine. Alors, est-ce que j'ai des balles illimitées? Ça, je sais pas. Je vais sauvegarder ici. Et ensuite, je vais voir si j'ai des balles illimitées ou pas. Hop, disquette vierge. GG, te suis aveuglément. Bah, bienvenue, GG.
On est en train de buter du zombie là. Puis je viens d'apprendre à me servir d'un fusil. Donc je vais bien voir s'il y a des nombres de balles illimitées, s'ils en ont tenu compte. Parce que là, je vais tout buter là. Alors. Où est-ce que je vais pouvoir aller maintenant? Outillage, il y a une hache, une lampe torche. Oui, la lampe torche, ça va être utile, ça. La lampe torche, ça va être utile. Ah, encore un zombie. Oh, tiens, je vais le buter, lui. Voilà, en tout, ça fait 3 zombies que je bute. Hop. Alors, je sais pas s'ils reviennent à la vie ou pas, en fait. Ça ferait chier quand même. C'est quoi ça? Oh, GG, il s'est abonné carrément. Ouais. Ah bah écoute, tu es mon seul abonné sur ma chaîne. Bah, je te remercie. C'est pour m'encourager à buter du zombie. Alors, je vais ouvrir. Est-ce qu'on peut ouvrir des trucs? Alors, je vais pas faire la même connerie que hier. Ouvrir la fenêtre et aller à droite. En fait, on saute par la fenêtre et on crève. C'était complètement stupide d'avoir fait ça. Mais bon, je ne le savais pas. Alors, là-dedans, normalement, il y a une lampe torche. Je prends. Il y a quoi? Alors, ça, j'ai l'impression que c'est un tournevis, mais je ne sais pas ce que c'est réellement. Et un marteau. J'en ai pas besoin. Donc je vais laisser ça là. On va retourner ici. Bon, a priori le zombie n'est pas revenu à la vie. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ranger les armes. Il y a un McDo aussi en face à gauche. Oh, on s'en tape un peu. Alors le micro-ordinateur, j'ai toujours pas trouvé à quoi il pouvait servir. C'est un mystère. Je vais voir s'il y a un zombie au McDo, parce qu'il faut pas déconner quoi. On laisse pas ces bêtes-là traîner avec la nourriture. Ouais, voilà. Oh, il y en a deux. Oh la vache, il y en avait deux dans le McDo, ouais. Hop, 5 zombies. Alors j'ai toujours pas compris non plus F, H et S. Tiens, je vais mettre le jeu sur pause. Je vais regarder si dans la notice. Non, c'est pas ça que je voulais. Pause, c'est là. Si dans la notice, ils expliquent pas ce que veulent dire ces indicateurs-là. Ah putain, je vois rien. Merde, ton pseudo, il est bleu foncé sur un... Moi, c'est bleu foncé aussi le fond. Calf Kicks. Bah, bonsoir, Calf Kicks. Hop là. Non, là c'est pas dit. C'est chiant et ils disent pas. On est censé deviner quoi. On est censé deviner ce que ça veut dire quoi. Non, les jauges F, H et S. Ah t'es rouge. Ah t'arrives à changer de couleur. Ah oui là je vois mieux. Parce qu'en fait j'ai sur le chat de mon OBS, mais bon c'est crypti. Je vois pas trop bien et sur le chat de Rostream, le fond est bleu un peu foncé. C'était pas pratique.
Mais putain, ils disent pas, ces cons-là. Comment est-ce que je suis censé savoir ce que veulent dire FHES? F, ça doit être force. S, ça doit être santé, mais alors H. Je vois pas ce que ça peut être, quoi. Sachant que c'est un jeu français, donc ça peut pas être des appellations anglaises. Non, ils disent pas. Ils disent pas, il va falloir deviner. Alors, H, est-ce que c'est l'heure? Bon, ça m'étonnerait, quoi. Ça m'étonnerait quand même. Hop. On va sortir du McDo. J'aime bien, tu es à l'ancienne, tu aimes bien galérer. Ah ouais, non, mais moi je suis un vrai de vrai, hein, à l'ancienne, oui. Avec les plans et tout. Donc là, tu vois, c'est les plans que j'ai fait hier, hein, pour me repérer dans le jeu. Et non, non, je déteste tout ce qui est safe state et compagnie. Puis j'ai pas connu ça, moi. Alors franchement, ça m'évoque rien, moi, les safe state. Donc non, non, j'aime bien jouer de cette façon-là. Hop. Alors outillage, on en vient. Alors micro, c'est vrai qu'il y avait un ordinateur par là. Hop, un zombie, allez. Merde, merde, merde. Je me casse. Ouh, la vache, il était temps. Pareil, à l'époque, je sais des gribouillis. Ah bah ouais, la règle, hein, c'est le papier à petits carreaux et le crayon papier, quoi. Alors, il faut que je. Alors, à partir du moment où je vois un zombie, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et il faut que j'ai le fusil en main. Attention. Paf. 4, 5, 6. Merde. Putain, il y en a deux. Merde. J'ai plus de balles. Oh putain, la vache. Je suis obligé de me battre à main nue. J'ai plus de balles. Yes. Bon, j'en ai eu deux autres là. Ah, me dis pas que j'ai plus de balles. Il y a quoi? Il y a que 5 balles par fusil. Donc normalement, j'ai débarrassé. Ouais, donc c'est les forces. À chaque fois que je me bats à main nue, en fait, ma jauge de force diminue. Le nombre de jeux que j'ai pas réussi à finir à l'époque. Tu galérais sur un jeu pendant des mois, puis sortais un nouveau jeu, tu passais à l'autre. Bah, en fait, moi, ça dépendait des jeux. Je sais que les jeux qui avaient des notices, enfin les jeux que j'achetais en original, d'ailleurs c'était dans les magazines Amstrad 100%, il y avait la fameuse page Micromania. Puis il y en avait une autre aussi, je sais plus. Et j'achetais ça, ça coûtait 149 francs, je crois. Donc mon argent de Noël ou d'anniversaire, il passait, quoi. Et ceux-là, j'avais la notice, je savais ce qu'il fallait faire, j'arrivais plus facilement à les finir. Sauf Night Hunter, que je n'avais pas réussi à finir. Je l'avais en original aussi, celui-là. Et par contre, Zombie, j'avais une copie de ce jeu-là. Une copie qui m'a été faite quand j'avais 12 ans ou 11 ans. Non, j'avais 11 ans, c'était un an après l'Amstrad. J'habitais à Villiers-le-Bel. Et c'était le père d'un de mes meilleurs copains qui s'appelait Morgane Béranger. D'ailleurs, paix à son âme, son père est décédé, j'avais appris ça il y a quelques années. Et je sais que j'étais venu chez lui une après-midi, il m'avait copié Zombie, il m'avait copié Grisor, Renegade, OCP Art Studio.
Et il y en avait certainement d'autres, je crois qu'il y avait Sapiens avec MGT dessus, et je sais plus quoi d'autre. Et je suis reparti avec mes disquettes vierges remplies de jeux. Et je sais qu'il y avait Zombie, hein, qui me prenait deux disquettes. Mais je n'ai rien compris. Mais j'aimais bien l'ambiance de ce jeu-là, en fait. Mais je me souviens de pas mal de jeux, d'où est-ce qu'ils venaient en fait. Oui, c'est vrai, on n'en finissait pas des masses sur nos jeux CPC. Ouais, il y en a un que je finissais, mais bon, c'était un jeu de plateforme, c'était Moktar. Il n'y avait pas besoin d'explication, c'était facile de comprendre le jeu. Alors, je vais essayer d'appuyer sur l'ordinateur. Voilà, il me demande login. Alors, c'est ça que je comprends pas. Pour l'instant, j'ai pas de login. Et donc dans la notice, ils nous disent d'écrire bye. Pour quitter. Donc je sais pas à quoi il sert. Donc pour l'instant. Mais par contre, j'hallucine, j'ai plus de balles dans mon fusil. Comme quoi, j'ai bien fait de sauvegarder. Hein. J'ai bien fait quand même. En même temps, c'est un des supports les plus difficiles en termes de jeu. Comment ça, l'Amstrad? Tu trouves que c'était un ordi qui avait des jeux difficiles dessus, c'est ça? Salut Gerbi! Alors là, il y a toujours mes cadavres. Je regarde si mes cadavres sont toujours à l'état de cadavre. Il n'y en aurait pas un qui serait revenu à la vie là, non, très bien. Ouais, j'ai quand même fait pas mal le ménage là. Coucou ma chérie. Ah tiens, salut, c'est des Ced Arn. Bon, je continue de reculer. Difficile, même punitif sur tous les jeux d'aventure. Ah bah, moi je serais pas aussi catégorique que ça. Quand tu regardes les jeux sur Nintendo ou enfin les jeux 16 bits plutôt, pas les jeux 8 bits, mais les jeux 16 bits, je les trouvais quand même vachement plus difficiles que nos jeux Amstrad, quoi. Alors maintenant, c'est avec le recul que j'ai aujourd'hui, quoi. Parce que je passe beaucoup de temps sur les jeux Amstrad et en fait, ça fait quoi, 5 ans que je stream et que je me suis remis à l'Amstrad et j'en ai fini un paquet, vraiment un paquet, et ils sont pas si durs que ça finalement. Ah oui, non, mais Green Beret, c'est ultra balèze. Oula, il y a un zombie là. Alors, je vais reculer, je vais utiliser mon arme, mais à tous les coups, ça marche pas, quoi. Tous les coups, j'ai plus de balles. Ah si. Donc, je pense que mon timing n'était pas bon tout à l'heure. Hop. Cool de faire ce zombie. Ouais. Dans l'exécution, les jeux 8-8 m'ont fait encore plus galérer que les 16. Ah ouais. Attends, là, moi, pourtant, je trouve que les 16 bits vachement plus compliqués. Alors déjà, d'une part, pour une raison, c'est que il y avait plus de mémoire sur les 16 bits aussi. Et que les jeux étaient plus longs. Par exemple, Rick Dangerous, sur la version CPC, était tronqué à la moitié des niveaux, sauf au quatrième. Et dans la version Atari, il est deux fois, les niveaux sont deux fois plus longs, quoi. Donc pour les terminer, c'est chaud. Moktar, c'est pareil, on a 7 niveaux sur Amstrad, en version 16 bits. Ils ont je sais pas combien de levels dedans, j'en ai jamais vu le bout, quoi. Ah, je perds des forces là. Ouais, c'est parce que peut-être que je suis dans une pièce avec un cadavre, je sais pas, parce que la notice mentionne un truc, mais je comprends pas trop. Bon, là, il n'y a pas de zombies. Ah, là, il y en a un. Paf, en ta gueule. Et un de moins. Ah, bref, faut pas me faire chier, moi. On me fout une carabine dans les pattes, moi, les zombies, je les nique.
Oula. Ah, putain, j'ai failli me suicider à nouveau là. Putain. Alors, je sais plus ce que j'avais fait à un moment donné, mais je sais que j'ai pu. Alors, c'était peut-être pas dans ce niveau-là en fait. J'ai pu revenir en arrière en fait. Dans mon dos, ici, il y avait une boutique, mais alors je sais plus où est-ce que c'était moi. Oh putain, c'est là. Merde, vite, un zombie. Merde, vite, vite. Ah merde. Ah, il était temps là. Ah putain. En fait, ça explique plein de choses sur mon plan. Parce que quand je l'ai fait hier, j'ai vu que, alors, vu que je fais exactement le même nombre de carreaux pour chaque niveau. Alors là, je suis au niveau quoi là en fait? Au niveau des armes. En fait, il y a un truc qu'il faut voir. Je vais remettre le mode blabla. Quand j'ai fait mon plan. En fait, voilà, j'étais ici avec au niveau des armes. Alors, je sais même plus si c'était dans le niveau 2 ou pas, j'ai aucun souvenir. Je suis tombé dessus et j'ai pas fait gaffe. Et il y avait un zombie, bah, c'était peut-être bien dans cette pièce-là. Et du coup, j'ai pas pu savoir d'où est-ce que je suis venu en fait. Alors, je crois que c'est là ou là, je sais plus de ce que j'ai fait. Et ben, en fin de compte, là, il y a une pièce ici. Et quand je regarde, en fin de compte, mon premier niveau, ça se trouve, il y a plein de pièces sur lesquelles je suis pas tombé. Genre, ici, par exemple, là, c'est fermé. Là, on voit bien qu'il y a rien. Là, on pouvait aller vers la sortie. Là, on pouvait aller par là. Là, il peut y avoir quelque chose. Là, il peut y avoir quelque chose. Bon, là, c'est la sortie, il n'y a rien. C'est comme ici, c'est pareil. Là, je pensais. Bon, là, c'était un peu plus évident. C'est ce qui m'a poussé à trouver le truc, là, le niveau 4 avec l'ascenseur. Puis en plus, c'était marqué le niveau 4 sur l'ascenseur. Parce que là, on ne peut pas aller de ce côté-là, là où il y a l'hélico, la terrasse, c'est juste en dessous. Et donc, voilà. Et là, le niveau 3, c'est pareil. Hein. À tous les coups, soit il y a des. Jerrycan et gants. Oui, alors là c'est un couloir, donc là il y a peut-être, là il y a pas de pièce. Là non, là c'était un mur. Mais par exemple ici, en allant par là, ah non, parce que là c'est le mur, on voit les choses de face. Bah, peut-être que par là, en fin de compte, il y a des, et par là, là pareil, c'est, j'ai rien noté là. Je sais pas ce qu'il y a de ce côté-là. Donc ça, il faudrait que j'aille voir. Ça se trouve, elle est pas complète ma map. Il me manque des pièces si ça se trouve. Alors, ça pourrait peut-être me débloquer sur certains objets ou voilà, faire le lien entre certains trucs. Oui, niveau longueur, je suis d'accord, mais Double Dragon, par exemple, sur Master System est ultra court, mais j'ai galéré de ouf à le finir. Tu vas me rire au nez. Sur Master System, alors je l'ai sur Master System, j'y ai joué. Je me souviens pas qu'il était court, moi. Alors, par contre, moi je l'ai terminé, alors, même en stream d'ailleurs, sur la. Ah, j'en ai fait 3 Double Dragon. J'ai fait une version Amstrad 64K qui était tellement lent que j'ai dû accélérer l'émulateur. Il est très facile à faire. La version 128K qu'on a eue sur Amstrad 6128, pareil, elle est vraiment pas difficile. Je l'avais fini en peu de temps. Et alors, celle sur Atari ST, alors là, c'est la rigolade. J'ai eu du mal à le finir pour une raison, c'est que le jeu est complètement buggé. Mais vraiment buggé à sa mère, quoi. Donc, quand j'étais petit, plus petit, je comprenais rien à ce jeu. As-tu joué à Necromancer? Non, j'y ai pas joué. Bah moi non plus, hein, je suis comme toi, hein, moi zombie, j'y comprenais rien, j'avais pas le mode d'emploi, et puis t'as vu, quand tu vois la gueule du mode d'emploi, sur la version originale, ils te disent rien, même les jauges, hein, tu sais pas à quoi elles servent. Il fallait ramasser le max de flair dans les sous-sols marécageux, ouais, j'y ai pas joué. Ah GG, non, pas pour Double Dragon quand même, hein. Non, non, non. Ah bah tiens Paco, je t'ai réveillé.
Ouais, bah tiens, vu que t'étais pas là, je te remontre ça vite fait. Tu sais, toi qui étais là hier, quand j'ai fait mes nappes. Regarde. Il y a un truc qui va pas bien. Hop. Tu vois, ici, là. Là, il y a des creux, là. Là, il y a des creux. Là, il y a des creux. Dans un peu comme les creux qu'il y avait eu ici au niveau 4, là, c'est ce qui m'a poussé à aller en haut avec avec l'ascenseur. Là, je viens de tomber sur un autre truc ici. Alors, ça, c'est tantôt quand j'y ai joué. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais alors, je sais plus si je suis là ou là, mais en arrière parce qu'on voit toujours le mur d'en face, mais on voit pas en arrière. Et je suis tombé sur une boutique en arrière. Alors, ça veut dire que si ça se trouve. J'ai aussi dans le niveau 3 des boutiques en arrière ici où il y avait quoi d'autre même dans le sous-sol, il faudra que je regarde aussi. Il y a un truc, mince, il y a un truc que j'ai pas fait, que j'ai pas vérifié. Ouais, voilà, dans le niveau 3, ça se trouve ici, il y a quelque chose. Ça se trouve, il y a encore des pièces. Bah ouais, je me demande. Tu peux tourner sur toi-même? Eh ben non. Eh ben non, tu les vois pas en fait, les pièces. Elles sont dans ton dos. Elles sont dans ton dos, donc tu peux pas les voir. Mais comme il y avait un zombie, je ne savais pas me servir de mes armes à feu tantôt. Donc je me suis fait buter. Et c'est un autre perso qui a pris le relais, mais j'ai pas su y retourner. Là, j'y suis. Là, j'y suis. J'ai pu me servir de la carabine. Ah oui, non, mais c'est clair que c'est sadique, quoi. Alors, par contre, il y a des trucs par terre. Alors, par contre, il va falloir que je les note aussi. Alors, je crois que j'ai dû être. Ouais, on va dire que c'est ici. On va appeler ça un bureau. Il y a un bureau. Okay, voilà. Alors, par terre, il y a une espèce de boîte bleue, là. Oh, par contre, ils n'ont pas fait d'effort hein, chez Ubisoft au niveau du dessin des items. Quitte à les faire un peu plus gros, mais qu'on comprenne ce que c'est, quoi. Une espèce de télécommande ou je sais pas quoi. Hop. Genre, voilà, c'est une télécommande pour de la TNT ou je sais pas quoi. Ça fait un peu penser à ça. Il y a des boutons rouges dessus. Donc, télécommande, je marque. Il y a des petites clés là-bas, là. Il y a des petites clés. Il y a une clé, petite clé rouge et une petite clé bleue. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai eu affaire à des portes que j'arrivais pas à ouvrir? Bah non, j'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir. Alors je les prends quand même. Alors j'ai une lampe torche. Oui, quand tu les prends, tu as un texte de description. Bah non. Ah oui. Ouais, ou quand je les prends, oui, ça aurait été bien qu'il y ait eu un texte de description. Ouais. Là, j'ai un trousseau avec deux clés, mais alors, honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, ces clés-là, à quoi elles servent. Bah ouais, ça aurait été une solution, genre là où apparaissent le texte. Enfin bon, on va pas leur redemander de refaire le jeu, hein. Bon. Le machin qui est par terre, là, je vais pas le prendre. Donc, normalement, je suis censé être au niveau 2. Donc là, je vais. Est-ce que je peux aller encore en arrière? Parce que alors, maintenant, moi, je vérifie tout parce que. Ok. Alors, j'ai buté du zombie, hein, Paco, depuis que t'es arrivé. J'en ai buté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Par contre, celui-là, je sais pas si je l'ai noté. 9 zombies avec la carabine. Ouais, avec la carabine, c'est vachement mieux. Bah tiens, regarde. Paf! Voilà, terminé. A pu le zombie. Tu fais plus chier à choper une tendinite. Par contre, mon perso, il commence à faire la gueule, hein. Je vais aller faire un petit tour au McDo là pour me reprendre de l'énergie.
Putain, je laisse des cadavres partout, moi, je suis un vrai guerrier, moi. Il y a des balles, alors oui, il y a des balles, mais je sais pas s'il y a un nombre de balles limité ou pas. Alors c'est pour ça que je compte le nombre de zombies que je suis en train de buter, pour savoir déjà combien il y a de zombies, parce que là, ce que j'ai fait, c'est que mon autre perso, là, Patrick, il a bloqué les trois entrées du supermarché. Donc, on est censé ne plus avoir de zombies qui rentrent. Par contre, le perso, il est condamné. Une fois qu'il a condamné dans son camion les trois entrées, bah, il reste dans son camion. Je pense que c'est un perso qui est condamné. Est-ce qu'on peut plus rentrer? Donc là, c'est pareil, il y avait deux zombies. Par contre, moi, je vais manger. Alors, j'espère que les zombies n'ont pas touché à la bouffe, parce que ce serait vraiment dégueulasse, quoi. Par contre, ouais, je vais être obligé de lâcher un item pour pouvoir prendre de la bouffe, quoi. Genre, tiens, le burger. Voilà. Merde, c'est pas ça. On va manger. Est-ce que ça va remonter ma jauge? Non? Ouais, si, le S, bah c'est la santé en fait. Ok, d'accord. Donc je vais en reprendre encore un autre burger. Donc apparemment, on peut choper 4 items à la fois. Mince, moi la plupart de mes disquettes Atari, c'était des copies. Pourquoi tu dis mince? Ah ouais, avec les camions, ça sert à bloquer les entrées. Bah ouais, parce qu'une fois que tu arrives dans le camion et que tu utilises les trois clés qu'on a trouvées là dans l'espèce de centrale là, et que tu actives les camions, il te le dit en fait dans le texte. Donc ça t'explique un petit peu quand même le scénario du jeu. Enfin, le jeu te guide un peu quand même. Alors je vais sélectionner le burger. Manger. Ouais, ça remonte pas énormément les choses, hein. Ah si. Ah si, quand même. D'accord. C'est parce que j'avais mal compris comment on l'utilisait. Ok, d'accord. Donc ma santé est quand même remontée. Ok, très bien. Bon, bah je vais garder les clés avec moi, hein. On sait jamais si jamais je trouve... Un truc ouais non ok alors maintenant je sais plus ce que j'ai dit ce que je voulais faire aller au niveau 3 ouais mais il y a un truc que je peux faire c'est même déposer le jerrycan et alors il y avait des gants alors à tous les coups les gants c'est pour toucher au cadavre parce qu'ils disent dans la notice que. Et pourquoi la photo du Gus est plus basse que celle que les autres? Alors là, aucune idée. Peut-être que c'est son énergie ou son temps de vie avant qu'il se transforme en zombie. Enfin, j'en sais rien du tout. Honnêtement, je sais pas. Santé mentale, je sais pas. Alors tout à l'heure, je me posais la question F, H et S. Alors F comme force, S comme santé, mais H comme quoi? C'est... Je sais pas. J'ai pas trouvé. Attends, là-bas, c'est... J'ai bien nettoyé le truc, hein. Y a plus de zombies, là. Alors oui, voilà. Là, faut pas aller plus loin, sinon on tombe. On meurt. Alors, à tous les coups, il y a une fenêtre derrière. Ils sont sadiques, hein, chez Ubisoft, hein. Alors que là, je vais tester, voir s'il y a rien derrière moi. Non, voilà. Donc c'est là où je recule et où j'atterris dans cette pièce-là. Ok. Ouais, c'est bon, je l'ai noté. Je vais faire pareil sur les autres niveaux. Je vais remonter là. Merde, je vais remonter là-haut. Faire le test avec le niveau 3. Tiens, là par exemple. Non, il n'y a rien. Est-ce que si je recule là, il n'y a rien. Alors, attention, je vais quand même me prendre mon fusil dans les mains.
Voilà, parce que bon, on sait jamais. Alors, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche pour aller vite pour tuer le zombie. S'il y en a un. Il y en a un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paf, paf. Mort. Allez. 15, 10 zombies de tuer là. Santé mentale, mais non. En fait, c'est un jeu français, donc F force, S santé, mais H. Je vois pas du tout. Alors là, est-ce que je peux... Oh punaise, oh punaise! Oh putain, il y en a un autre! Oh les bâtards, il y avait deux zombies. Un, deux. Oh, il me stresse moins, il m'aurait moins stressé même à l'époque, quoi. La photo est remontée là. Ouais, par contre, t'as vu les autres, ils sont descendus. Je sais pas du tout ce que ça veut dire en fait. Alors, il y a un magasin d'électronique. Oh putain, la vache, ça, merde. Donc le magasin d'électronique se trouverait ici. Électronique. Donc je vais ouvrir. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. C'est quoi ça? C'est une puce électronique ça? Ouais. Quoi d'autre? Merde, je suis plein. Alors s'il y avait d'autres choses, tiens, je vais mettre ça ici. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là-dedans? Non, rien du tout. Une puce électronique. Ah, c'est peut-être pour l'ordinateur. On peut réparer l'ordinateur. On a un tournevis. On a une puce électronique. Le tournevis, j'avais noté ça. C'était où ça? Bricolage. Donc ça c'est le niveau 1. Ah oui, c'est outillage. Tournevis, marteau, hache, lampe torche. Faudrait que j'essaye sur le micro-ordinateur. Quoique il n'est pas à réparer, il fonctionne le truc. Et peut-être dans le poste de contrôle. C'est peut-être dans le poste de contrôle vu que ça marche pas. Quand on appuie sur les boutons, il y a une petite trappe noire sur le côté. Ça se trouve, faut. Mais bon, la trappe noire, elle n'est pas en couleur. Alors c'est pour ça, j'ai un petit doute quand même là-dessus. Bon, on laissera à l'occasion si on tombe sur des trucs. Hop, on va à gauche. Pas de zombies à gauche, pas de zombies. Alors ce truc là, je sais toujours pas ce que c'est. Espèce de serpentin avec un rond rouge au milieu, un point rouge au milieu. C'est un truc, même à l'époque j'étais tombé dessus, moi j'ai jamais pigé ce que ça voulait dire, quoi, ce que c'était ce truc là. Par contre, est-ce qu'on peut aller derrière soi ici? Non. Et d'ailleurs, vu que j'y suis et vu que j'ai rien noté là, est-ce qu'on peut aller derrière là? Non. Ah bon, faut que je ferme. Parce que sinon, je vais pas le savoir. On avance. Ah, zombie. 5, 6. Paf! Plus de zombies. Deux zombies. Il y avait deux zombies. Allez hop. 1, 2. Alors je sais que là dans l'armoire il y a un jerrycan et tout ça. Je prendrai un autre perso pour aller chercher ça. Limite voir le pilote. Puis il ramènera ça près de l'hélicoptère. Merde, c'est pas ça que je voulais. Hop, on va avancer, voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Pas de zombies. Est-ce que je peux aller à gauche? Non. Je peux aller à droite. Zombies, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Paf!
Dans ta gueule. Et voilà, 15e zombie d'abattu. Et j'ai l'impression que j'ai un nombre de balles illimité, moi, dans ma carabine. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Ces trousses de soins. J'en ai pas besoin, les persos perdent pas à ce point-là. Ouais, pharmacie. Bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Ouais, je crois que les balles sont illimitées. Ah, franchement, ça me plaît, là. Ah, allez, zombies! Paf! Et de 1. Voilà. Easy, hein, quand même. Hein. Quand on a pigé le truc avec le fusil, ça valait le coup de se creuser la tête sur ce jeu-là, finalement. Hop, encore zombie. Paf! Terminé. Alors là, il y a une cassette vidéo. Pareil, je sais pas. Si, je l'avais mis dans le magnétoscope. Je prendrai un autre personnage. Je sais pas à quoi ça sert de faire ça, mais bon, je sais qu'on peut le faire. Puis après, il faudra que je teste tous les items du jeu un par un et essayer de faire des interactions avec des trucs du décor. Sans trop savoir ce qu'on fait des fois. Là non, là non, là non, là oui forcément. Non. Donc après, ça va être le niveau. Alors là, je suis au niveau 3. Ça va être le niveau 1. Bon là, je suis pas censé rencontrer de zombies, hein, normalement là. J'ai fait le nettoyage partout là. Je vais dans quel sens là? Niveau 3. Ah, est-ce qu'il y avait quelque chose là-haut? Je sais plus. C'est niveau quoi là-haut? Punk not dead. Alors ouais, tiens. Est-ce qu'on peut... Non. Toujours pas. Non plus. Donc c'est qu'il n'y a rien à faire ici. Là, il n'y en a pas. Et là, on est là. Ok, bon. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres endroits. Niveau 3, ok. Niveau 2, ok. Allez, niveau 1. Niveau 1. Alors, niveau 1, ma map, elle est là. Alors, il y a du boulot, hein, niveau 1. Niveau 1, c'est là où est-ce qu'est l'autre, là, mon perso, là, comment il s'appelle. Parce que là, j'ai Yannick, l'autre, il s'appelle Patrick. Il est enfermé dans son camion. Zombie. Paf. Allez. Un de moins. Hop là. J'en ai eu pas mal, hein. Tout ça déjà. Et puis je commence à connaître par cœur l'ordre des icônes, donc ça aide. Salut CX! Ouais, toujours sur Zombies, parce que j'y ai joué un peu tantôt et j'ai avancé sur des trucs que j'aurais pas imaginé faire à l'époque où j'y ai joué et ça m'a remotivé pour en refaire. Alors là, puis je suis tombé sur des pièces que je n'avais pas vues. Bon, là, il n'y en a pas. Oh là, que je reprenne ma map, moi. Que je navigue pas sans carte. Alors, il y en a encore un à côté. Zombie. Allez, hop, coup de fusil. Paf. Un deuxième. Putain, ils étaient deux. Ouais. Ils étaient deux. Alors, par contre, là, faut que je renote derrière aussitôt, sinon j'ai pas... 2, 5, 10, 15... Bientôt 20 zombies de buter, quoi. Hop. Même test que d'habitude. On sait jamais. Merde. Allez, voilà, boum. Oh putain, zombie! Putain, la vache, il y a des pièces cachées, quoi. Alors, ça, c'est un magasin de quoi? Ça, grocery store, boucher. Tiens, c'est un boucher, il y a de la viande là, j'ai vu un jambon. C'est une boucherie. C'est une boucherie. T'as toujours pas commencé à regarder le login sur l'ordinateur? Ben non! J'ai aucun indice. Alors, par contre,
Si. Je sais ce que je vais essayer de faire. Sur les murs du jeu, il y a écrit des tags dessus. Il y a des choses décrites. Toutes les inscriptions qu'il y a sur toutes les pièces, sur tous les niveaux, il va falloir que je les note toutes une par une et que je teste toutes les inscriptions pour les mettre dans l'ordinateur. Si c'est ça, je vais forcément tomber dessus. Alors là, il y a des trucs à bouffer. Ouais, j'ai pas faim. Je verrai ça plus tard. Paf, zombie. Et un deuxième. Putain, la vache, ils sont nombreux. Hein. Un, deux, trois, quatre, cinq, on barre. Donc ça c'est ok. Alors normalement, si je recule, je ne peux pas sortir parce qu'il y a le camion qui bouche l'entrée. Hop. Donc test. Ah. Oui, si ça c'est normal. Ah, je peux pas y aller. Normal. J'ai l'impression que les photos qui baissent, c'est la santé, non? Oh oui, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Étant donné que là, Yannick, c'est le seul perso qui a bouffé un burger, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus haut que les autres, quoi. Par contre, c'est abusé ce que la fille et l'autre, là, le pilote d'avion, ils sont encore à l'hélicoptère, là. Donc, ils en branlent pas une, là, pour le moment. Alors, voyons voir, par là. Pas de zombies. Bon, là, il y a une espèce de dépliant. Bon, je sais pas à quoi est-ce qu'il peut servir. Hop. Pas de zombies. Ah, zombie. Paf, dans ta gueule. Et le tuyau d'arrosage, je m'en servirai pour voir s'il n'y a pas moyen de siphonner un truc, hein, ou un camion avec le jerrycan. Et puis je déposerai tout ça près de l'hélico si jamais y a un truc dans le genre. Bon, par contre là, non. Ah, de l'autre côté, est-ce que à droite, j'avais testé si c'est un mur ou si on peut y accéder. Oh, on peut pas. On avance. Pas de zombies. Est-ce que je peux aller à droite? Oh oh oh! Alors là, par contre, je piche. Ah bah si, c'est normal, je suis au niveau de. Bah oui, mais normalement, c'est le fleuriste qui est en face. Je comprends pas là. Je suis pas gouré dans le plan quand même. Oh là, c'est quoi ça? Ah! Scooter 26 700 te suit aveuglément. Bah écoute, bienvenue à toi, Scooter. Tu connais les jeux Amstrad ou pas? Je me demande toujours ceux qui viennent follow s'ils ont connu l'Amstrad ou pas. Parce que bon, faut le savoir, hein, c'est un stream Peggy 40 quand même. C'est du Daron Gaming. Ce qui est copyright JB le Daron. Oh la vache, encore un zombie. Pof. Ouais, le Daron Gaming. C'est là que je vais mettre la cassette vidéo. Parce que je sais que là, l'autre fois, hop, j'allume le magnéto. J'allume la télé. J'aurais juste à insérer la cassette. Donc ça, on verra ça. Hop, ça, je l'avais déjà testé, c'est rigolo. Mais je sais pas à quoi est-ce que ça veut dire. Zombie grave. Bah ouais, c'est un super jeu, ça. Et c'est qu'à 44 balais que je comprends enfin ce qu'il faut faire dans le jeu. C'est quand même triste. Ça parce que j'avais pas les notices. C'est bien beau le piratage, hein, mais bon.
copier les disquettes, mais bon, si on n'imprime pas les notices, c'est vrai qu'on pige pas grand-chose. Voilà, alors normalement, je suis censé ne pas pouvoir sortir. Voilà, le camion bloque la sortie. T'as zéro cheveux blancs? Peut-être pas zéro, regarde, il y en a peut-être quelques-uns. Hein. Si t'as vu le film, on comprend. Non, j'ai pas vu le film. Ah, puis moi, c'est les trucs un peu crado, un peu gore. C'est les trucs que je regarde plus, j'aime plus trop ça, quoi. Nono75 te suit aveuglément. Eh ben dis donc, il y en a un paquet qui me suivent ce soir. Bah écoute, bienvenue à toi, Nono. Toi, pareil, est-ce que tu connais l'Amstrad, du coup? J'en ai 48. Bah voilà, stream Peggy 48. Un film culte? Ouais, mais bon, s'il y a un peu trop de bidoche dégueulasse et tout, avec du sang qui gicle partout, je vais pas trop aimer, quoi. Bon, bah là, il n'y a plus de zombies, hein. J'ai été par là. Ouais. Eh ben, ça y est, j'ai fait le tour de tous les niveaux. J'ai niqué tous les zombies. En fait, alors donc, conclusion, des zombies, il y en a 5, 10, 15, 20. Alors j'en ai trouvé 21. Ah non, 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 non. Je n'ai pas fait le sous-sol. Je n'ai pas fait le sous-sol. Ça date de 79. Ouais, mais je l'ai pas vu, quoi. Oh, puis je suis un peu réticent, moi, à regarder ces trucs-là. Parce que, après, moi, je fais les cauchemars et tout. Non, non. Alors, le sous-sol, j'avais noté, c'était par là. Zombie! Paf! Crève! Oh, deuxième! Voilà. Bon, bah, hop, encore deux autres. Putain, il y en a un paquet, sans déconner, hein. Indice, dans le film, ils mettent les cadavres dans un frigo. Ouais, mais alors, me donne pas d'indice parce que du coup, j'ai fait toute la map du jeu. Je sais pas si t'as vu, mais hier soir en stream, juste pour te montrer. Alors bon, ça c'est mon niveau 3. Ça c'est le niveau 2. J'ai noté un petit peu tout ce qu'il y avait. Ça c'est le niveau 1 avec l'extérieur, la présence de camions aussi. On a bloqué les entrées du supermarché, enfin c'est le jeu qui nous indiquait que le camion bloquait les entrées. Et là, ici, j'ai le sous-sol. Voilà, donc là je vais aller là. Et ici, il y a un abattoir, donc une chambre froide. Là, j'ai vu qu'il y avait un disjoncteur. Et là, je me situe ici, en fait, vers le niveau 1. Par contre, il faut la lampe torche. Alors, ça va m'emmerder, est-ce que la lampe torche continue de fonctionner si je tiens mon fusil dans les mains? Ça va être la surprise dans le jeu. Ou est-ce qu'il faut que je me batte à main nue? Ou est-ce qu'il faut que je rechope vite fait le fusil entre deux? Je parle du film, j'ai pas joué au jeu. Ouais, mais je pense quand même que. Ils ont dû quand même s'inspirer du film. Parce que là, regarde, tu vois l'espèce de tache bleue là, c'est le cadavre du zombie, quoi. Et dans la notice du jeu, ils expliquent que la présence de cadavres dans une pièce peut faire baisser le niveau de santé du personnage. Donc peut-être que ça pue tellement que il faut les descendre, quoi. Alors, je vais me déplacer. Est-ce que je peux aller par là? Non, là non. Je teste quand même au cas où. Là non, là non. Ok, on descend. Paf, zombie. Un de moins. Alors, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. Alors, normalement, si je vais. À gauche, normalement il fait noir. Ouais, c'est ça. Donc il faut que j'allume la lampe torche. Mais alors, est-ce qu'elle va rester allumée si je tiens le flingue dans les mains? Ça m'inquiète un peu. Alors, lampe torche.
Mince. Lampe torche. Activée. Et si je fais ça. Ok, alors maintenant, la question est, si je prends le flingue. Bon, a priori, ça s'est pas éteint. Alors, il est où mon plan de. De ça. Donc là, j'ai buté du zombie. Ah, je serais impatient de faire la version Atari ST parce qu'il y a un zombie qui est animé, quoi. Quand c'est comme ça. Je me demande quel gameplay ils ont adopté pour ça. Alors, je peux donc avancer. Pas de zombie. J'avance encore. Pas de zombie. Alors à ma droite, c'est le disjoncteur. J'avais noté ça. Et une armoire électrique. Bon, pas de zombie. Zombie. Merde! 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 Oh la vache, sa mère! Albab te suit aveuglément. Ah bah écoute, bienvenue Albab. Oh la vache! La lampe torche s'est éteinte au moment où j'ai choisi de prendre le fusil. Je suis mort! Qui c'est qui a fait ça? Ah, c'est Shoryu. Ouais, vous pouvez taper des commandes vocales. Bah c'est, je suis mort, c'est Paco ça. On tape liste. Purée. Je suis obligé de me battre à main nue. Quand j'ai acheté mon Amstrad CPC 464 d'occasion en 89, il y avait des jeux inclus et sur la table, il y avait ce jeu, mais le mec le vendait pas, donc je suis passé à côté. Ah ouais. Sur la table, est-ce que tu parles d'une braderie là en fait, non? Excellent, je savais pas. Tiens, comment ça se fait que vous apparaissez pas tous dans mon chat restream là? Je vois sur le chat de Twitch, j'en vois, et sur le chat de restream, j'en vois d'autres. Je le rafraîchis, je vais voir ça. Ah bah oui, non, forcément, ça m'annule les trucs. Est-ce que j'ai pas vu que Il vient Nono75 d'où avait. lui? Il vient dans mon cul! C'est dégueulasse! C'est tes mots, hein, Paco, hein, c'est pas les miens. Je vais te dire, je les ai scrutés, tes vidéos, pour trouver des phrases cultes. Donc c'est Paco, hein, notre père à tous, ami streamer amstradien, qui nous a abandonnés. Voilà, il nous a abandonnés. Zombie, c'est le premier jeu Ubisoft. Ouais, exactement, ouais. C'est exactement ça. Non, j'étais allé chez lui pour récupérer l'Amstrad à 2000 francs. La belle époque. Ah, tu m'étonnes. Bah moi j'ai eu un Amstrad CPC 628, c'est à Noël 87. J'ai encore la photo avec l'Amstrad. J'avais eu un joystick, une disquette vierge et un soft, c'était Balade au pays de l'écrit. C'est un truc de français, parce que j'étais nul en français. Alors, qu'est-ce que tu dis? T'es sur un CPC 6128 ou 464? Eh bien, écoute, Albab, je suis sur un pauvre émulateur qui s'appelle WinApe. Parce que mes Amstrad, si tu veux, j'en ai là. Mais je ne sais pas les brancher avec ma carte d'acquisition. J'ai un 6128 plus. Là, j'ai un 6128 normal. Là, j'ai un 464. Bon, là-bas, on s'en fout, c'est un Atari ST et un Amiga, mais.
J'y joue tout le temps en fait. Je joue jamais avec un émulateur, mais je n'arrive pas à capturer, si tu veux, le signal de sortie de l'Amstrad pour l'injecter dans ma carte d'acquisition et avoir une image qui soit autre chose que du noir et du marron foncé, quoi. Je sais pas, le signal qui sort de l'Amstrad m'empêche de. Je sais pas. Il était sûrement pas connu pour harcèlement sexuel à l'époque, mais qui ça? Je jouais à tant qu'il me semble, je les ai lâchés. Noël 86, je crois pour moi, avec Rally 2, Tennis de Lauriciel et Batman d'Océan. Ah, pas mal Batman d'Océan. Très bon jeu. T'es obligé de passer par MP2F? Eh ben non, eh ben vas-y, offre-le-moi sur You, le MP2F, je le cherche, justement pour tester. Parce que comme ça, j'y arrive pas. Et pourquoi tu le fais pas sur le ST? Je vais le faire sur Atari ST, ce jeu-là. Faut poster la photo. Bah, elle y est déjà quelque part. Je crois que sur Amstrad Mémoire écrite, là, le FTP de Fred, il a voulu récupérer tous les souvenirs des utilisateurs Amstrad. Elle y est, quoi. J'avais dû la poster. Mais l'EST, par contre, lui, j'ai une image avec. Mais pour des jeux rapides, c'est pas possible parce que j'ai de la latence. Donc il va falloir que j'ai un câble qui puisse me permettre de. Ah non, si, je sais ce que je peux faire. Je peux jouer sur mon écran cathodique. J'ai deux Péritel. J'ai un alimenteur, une alimentation de Péritel. Et j'ai pu le faire l'autre fois. Si, si, sur le ST, de toute façon, il faudra que je teste. Je peux streamer du ST en jouant sur mon vrai ST et vous retransmettre l'image derrière. Il y a de sales histoires maintenant chez Yubi? Ah ouais, sans déconner. Oh, je suis pas au courant, moi, de ces trucs-là. Moi, je suis sur 6128 avec un GoTech. Je me suis acheté mon premier ordinateur que j'avais en 1986. Que du bonheur. Ouais, alors moi aussi, j'ai un GoTech sur mon 6128, parce que le lecteur de disquette, bon, bah, il est aux fraises. Et pareil sur mon 6128 plus, quoi. Ça, c'est aussi un GoTech. Par contre, je joue avec des vraies cassettes sur mon 464. J'en ai un bon paquet de cassettes. Bon, alors bon, la dernière fois j'avais ouvert la boîte, la boîte électrique, l'armoire électrique plutôt. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais je pouvais pas faire grand chose de rare. Ouais, voilà. J'avais essayé d'appuyer sur le bouton pour alimenter le truc, mais voilà. Je sais pas trop quoi faire. Alors, si j'avais le tournevis, j'aurais pu essayer de dévisser des trucs. Mais là, je sais pas trop quoi faire. Alors, on va retourner à gauche. Oh non, je ne devrais pas trop croiser de zombies, mais par contre, ça m'emmerde parce que je vais être obligé de me battre à main nue, quoi. Quelle patience avec le 464. Oh ouais, non, mais moi, j'adore le chargement des cassettes. Alors, le bruit que ça fait, j'adore ça. La boîte, j'adore. L'objet en lui-même, j'adore. La notice qui va avec, j'adore. Enfin, j'adore tout, quoi. Ça me permet de me faire un thé pendant que le jeu charge. Et pendant le chargement, le border qui clignote te donne une indication sur le type de protection que le logiciel utilisait pour protéger l'anticopie, en fait. Il y a plein de trucs qui m'intéressent, moi, en fait, avec les cassettes. Alors là, zombie. Oh putain, zombie! Ah non, ça va tout de suite. Mais si, c'est darn, je vais le faire sur ST. Mais là, tu vois, je me bats avec un zombie. Oh putain, la vache, sa mère, j'y arrive pas. C'est tendu, là. Je peux pas utiliser le fusil, c'est dégueulasse, quand même. La vache. Moi, c'est le bruit des disquettes que je veux retrouver sur mon GoTech. Apparemment, c'est faisable. Alors, moi, j'ai un buzzer sur mon GoTech sur le 6128, mais t'auras jamais le vrai son d'origine, quoi. Alors, c'est pour ça, par contre, sur mon Amiga 500 et mon Atari ST, par contre, j'ai de vraies disquettes. Pareil, j'ai un paquet de jeux aussi sur ce support-là, quoi. Enfin, pas l'Amiga, mais sur l'Atari ST. Putain, la vache! À main nue, sans déconner, c'est vraiment raide.
Et j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus difficiles à buter, là, les zombies, quoi. Ou est-ce que c'est mes mains qui fatiguent? 5, 10, 15, 20, 25. Putain, j'ai buté 25 zombies depuis le début. C'est quoi les petits artefacts, là, qu'il y a dans le truc? 9. Pourquoi il y a un 9 d'affiché, là, dans le truc? Je piche pas trop. Et je vais pas pouvoir tous les buter comme ça. Hein. Alors il fait noir là-dedans, mais est-ce que de base on peut avoir de la lumière ou pas? Je sais pas du tout. Oh, normalement oui. Remarque, c'est peut-être la boîte. C'est peut-être justement l'armoire, quoi. Va les nourrir les autres gus. Ouais. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je leur donne à bouffer, quoi. Mais c'est surtout que là, il reste encore du chemin avant de faire toutes les pièces, là. Il va y avoir pas mal de zombies, quoi. Je vais regarder combien ce qu'il me resterait de zombies à buter, quoi. Non, on peut pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Bon, il me reste que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Au pire, 6 zombies. Bon, au pire, 5 zombies. Au pire, 4. 4, toujours. Enfin, là, il ne me reste plus qu'un. Eh ben, je crois que j'en ai plus qu'un à buter, quoi. Je me le fais, hein. Allez, je me le fais. Prêt. J'espère qu'il n'y en a pas deux d'un coup. Putain, ma force, comment elle diminue là? Ouh. Oh, ça va, il n'y en a pas un deuxième. C'est toi qui l'as installé, le Gotek? Ouais. Bon, avec de l'aide des personnes qui s'y connaissaient, mais ouais. C'est toujours les mêmes qu'on croise sur les streams de rétro. Ouais, faut que j'aille les nourrir, les autres persos. Il y a plus simple, tu prends une cassette avec un câble audio et un baladeur MP3SP, et avec le logiciel, tu mets les jeux, et après tu lances le jeu et tu as le chargement des jeux comme sur cassette. J'ai pas compris. Il y a plus simple, tu prends une cassette avec un câble audio, et un baladeur MP3, ouais, SAG, USB, et un logiciel, et avec un logiciel, tu mets les jeux, tu mets des jeux. Pourquoi un logiciel? Et après, tu lances le jeu et tu as le chargement du jeu comme sur cassette. Ça, tu peux le faire sur un CPC où la tête de lecture fonctionne plus, ça, par contre. Bon, j'espère que j'en ai plus à combattre à main nue, parce que là, ça commence à être chaud, quoi. Bon, normalement, j'ai plus de zombies à battre, là. Je les ai tous butés, là. Bon, ça c'est la chambre froide. Non, puis moi j'ai une passion pour ça, pour les cassettes, parce que c'est pareil, les cassettes Amstrad, je les répare. Je répare les programmes qui sont dessus. Quand la bande est vraiment vraiment morte, bah, je sais faire du montage de bande avec de l'adhésif magnétique. Donc ça m'est arrivé de réparer des cassettes comme ça. Bon, bah a priori, il n'y a plus de zombies. Hein. Alors, si j'en croise d'autres, c'est qu'ils sont revenus à la vie. Je vois pas d'autre explication. Bon, je vais pas repasser par là. Je vais directement m'occuper de mes autres persos. Je vais aller dans le...
Je vais appeler l'ascenseur. Alors normalement, il n'y a pas de zombies dans l'ascenseur, parce que je les avais butés. Hop. Voilà, ils sont morts. Très bien. On va s'occuper. Alors j'étais au sous-sol. Je vais retourner. Alors c'est où le McDo? Alors le McDo, il est. Il est au niveau 2. Hop, on va aller au niveau 2. Bon jeu ce zombie. Ah ouais, c'est un très bon jeu. Alors moi, tu vois, je découvre vraiment sa façon de fonctionner au jeu. Je ne comprenais pas tout. Et là, maintenant, je comprends vraiment ce qu'il faut faire. Alors normalement, il n'y a pas de zombie là. Ah merde, pourquoi est-ce qu'il fait nuit là maintenant? Merde. Putain, maintenant il fait nuit dans le supermarché. Oh les boules. Bon, ça va pas m'empêcher de bouffer quand même. Ah, c'est flippant quand même. Alors, je vais déposer quoi? Ça me sert à rien. Finalement, j'ai pas trouvé d'utilisation. Oh, il y a des bugs d'affichage là, du coup. Il n'y a pas le cycle jour-nuit. Alors là, bonne question. Salut Fred Asbin. Il faut dormir dans ce cas. Ouais, j'y ai pensé. Ça m'a traversé l'esprit. Alors ça, pareil. Vous voyez, il y a des petits bugs d'affichage là. C'est pas encore au point là, leur truc. Alors moi, je vais prendre un paquet de sandwichs. Et je vais les bouffer parce que là, c'est plus possible quoi. Sandwich, on mange. Putain, ça régénère pas beaucoup, hein. Va falloir que j'en bouffe un paquet de McDo, hein, pour que. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mon arme. Je vais la déposer genre là. Non, il n'y a pas la place. Là. Ah merde! Ah non, non, non! Putain, j'ai déposé la lampe torche. Je suis mal. Ah non, elle est restée allumée. Merde! Je suis dans la nuit. Comment je vais faire? Bah non, elle est là, ma lampe torche. Ah, ouf. Bon, je vais prendre ça. Je vais reprendre ça. C'était un tes premiers jeux Amstrad. Il me semble que le jour et nuit est géré par le jeu. Ah d'accord. Bah attends, je vais déjà faire un truc parce que je voudrais quand même remonter un peu la santé de mes persos là. Parce que là franchement, merde. Merde, c'est pas ça que je voulais. Non, putain, c'est pas ça que je voulais. Voilà, ça je le laisse là. Ça je le laisse là. Ce qui me permet de prendre un maximum de burgers. Et maintenant, je vais essayer de les manger tous. Merde. Ah ouais, hein, ma santé remonte. Hein. Par contre, je vais dormir. Je vais voir si le perso, quand il remonte. Alors, fin, hydratation, sommeil. Oh putain, hydratation. Merci Paco. Il y a une bouteille de coca à côté. Parfait. Comment est-ce que tu as deviné ça, toi? Ah, c'est super. Ouais. Ah non, ça me donne des forces.
Ah non, je pensais que le coca, ça allait me réhydrater, mais non. Je pense que c'est mieux de déposer les objets dans l'ascenseur. Pourquoi faire? Merci le Wikipédia sur le jeu. Ah, d'accord. F pour finalement le retour des... Je crois que si tu le fais dormir, tu changes de personnage, mais l'heure ne change pas. Ah bon. H pour Hey, il est où JB? Ah oui, mon perso remonte. Bon, bah j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Là, je dois m'occuper de la santé de mes persos. Je les ai trop négligés. 1, 2, 3. Hop, on mange. Voilà, on reprend des forces. Allez, on reprend du sandwich. Eh, sans déconner, là, c'est le McDo sandwich à volonté, hein. Merde. Ah, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, merde, c'est pas ça non plus. Je vais pas manger la lampe torche. Putain, la vache, on peut vraiment se régénérer assez vite, quoi, finalement. Tiens, je vais finir déjà la santé. Puis Ziski, il stream toi tellement mieux. Non, non, moi je stream pas mieux, je suis pas du tout animateur. Toi, t'as un truc qui passe bien dans ton élocution, dans ta façon d'amener les choses. Moi, j'ai pas ce truc-là, moi. Hop, on mange. Voilà, je suis à blinde. Je suis au maximum. Ok. Allez, je prends maintenant les restes de canettes. Ils sont bien aussi les streams de Zis. Ouais, quand je rage pas pour. Quand ça marche pas comme je veux. Hop. Bon, lui, il est assez remonté. Mais par contre, je me demande si le faire dormir, ça va pas remonter la jauge. La jauge de H. Et entendre peut-être talent de Zikos aussi. Oui, je sais, mon lapin, il parlait des streams. Putain, c'est bizarre, j'ai pas tous les mêmes textes entre le chat Twitch, la fenêtre Twitch, et celui de Restream. Celui de Restream, il me zappe des messages. Par contre, j'ai ceux de YouTube, par contre. Pour les récupérer plus facilement. Ah oui, c'est pas con, ça. C'est vrai que quand t'appelles l'ascenseur, t'as pas besoin de les... de comment dire... de remonter tous les étages, oui, c'est vrai, ouais, c'est pas idiot, effectivement. Alors moi je vais récupérer ma carabine. Bon, les clés parce que je les avais, ça. Et puis je vais aller dormir. Alors c'est dans le niveau 1. C'est dans le niveau 1. Mais par contre, les autres, ils ont pas de lampe torche, quoi. Ils vont rien y voir. Puis je peux pas mettre la lampe torche. Ou alors je mets la lampe torche là où eux se trouvent. Oh le bordel. Alors Patrick, lui, il est condamné, hein. Il est dans son camion, il va crever, hein. Je peux rien faire pour lui, hein. C'est lui qui a fermé les entrées du supermarché. Voilà, il s'est sacrifié, on va dire. Donc moi je vais ressortir de là, je vais aller sur la terrasse où il y a l'hélicoptère, parce que c'est là où il y a les deux autres persos en fait. Normalement je dois plus rencontrer de zombies, hein. J'ai tout buté normalement. C'est là-haut. Une fois dans le camion, tu pouvais revenir dans le supermarché? J'ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Il t'empêche de revenir, clairement.
Alors, ce que je vais faire, je vais déposer ma lampe torche par terre. Paf, je la mets genre ici. Je change de perso. Mon perso est remonté, hein. Je choisis par exemple lui. Ou elle, tiens, lui, ce que l'autre, c'est pour, il est pour l'hélico, donc on a besoin de lui pour l'hélico. Ah putain, mais du coup, on n'y voit rien quand même. Bon, je vais essayer quand même de choper la lampe torche. Elle doit être par terre quelque part. Est-ce que je l'ai prise? Yes, eh, pas mal, hein, mon astuce, hein. Allez, paf! Comment je le nique le jeu là? C'était bien foutu comme gameplay pour l'époque. Ah ouais, non, mais carrément. C'était énorme quoi. Mais ils ont toujours fait des bons jeux, hein, Ubisoft. Hein. Ils savaient les faire. Hein. C'est le Nintendo français pour moi, ça, Ubisoft quoi. Et je parle même des jeux sur PS4 quoi. Avec une corde. Je crois que tu fais. Ouais, non, mais par contre, Fred Ashbin, me dis pas des solutions si j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. Faut être beaucoup plus évasif que ça, parce que là, pour moi, c'est presque du spoil. Parce que je cogite vite, hein. Parce que si jamais je chope une corde et puis que, ou un tuyau d'arrosage ou je sais pas quoi. Ou si. Non, faut mieux pas qu'on me dise. Allez hop, on va lui donner à bouffer à la Sylvie. Alors d'ailleurs, le McDo, c'était où? J'ai dit. Alors, faut que je lui chope un flingue quand même. Parce que si jamais je croise un zombie. Alors les flingues, c'est niveau 2. Hop. Voilà, parfait. Super. Bon, enfin, tu me diras, je peux pas l'utiliser le flingue vu que j'ai une lampe torche dans la main. Cédern 84 te suit aveuglément. Bah écoute, bienvenue à toi. Ah bah non, mais t'étais déjà dans le chat. Je t'ai déjà vu quelque part, ton pseudo. Ensuite, alors je vais lui donner à bouffer. Alors, est-ce que c'est dans le même niveau? C'est dans le même niveau que les armes, c'est magique. Allez hop. Eh, j'ai pas croisé un seul zombie. Je les ai tous butés là. Ils reviennent pas. Il est 3h55 du matin dans le jeu là. Allez hop, on va bouffer. Je vais poser la lampe torche par terre. Non, je crois qu'il fallait que je la garde dans la main. 1, 2, 3. Ah oui, t'étais sur YouTube, c'est bien ce qui me semblait. ensuite, je vais manger. Je vais même poser le flingue par terre. Voilà, je vais poser là, comme ça je pourrais manger plus vite et plus. Hop. Voilà. Eh, pas mal, hein. Je remonte vite, hein, quand même. Hop, un petit coup de flotte. Merde, j'en ai pas pris assez, quel con. Dans le film zombie, il y a trois mecs et une femme. D'accord, bah en fait, ils ont été fidèles au truc, quoi.
Ouais, j'ai trouvé la technique. Ah, il y a mes chéris qui m'envoient des cœurs. Je vais lui renvoyer des cœurs aussi. Tac. Tac. Ah merde, j'ai raté. Hop. Hop. Ah. Salut Goldom. Est-ce que j'ai tout pris? Oui, j'ai tout pris. Alors maintenant, j'ai plus qu'à manger. Ça me remonte pas grand-chose. Hein. Non, je vais pas dormir là. Hop, on reprend un peu plus de boisson. Ça me permet pas de remonter la force comme l'autre perso. Par contre, la fille, elle est complètement remontée là-haut. Bon, bah ça, c'est super. Je vais reprendre mon arme. Outillage, machin, nanana. Bah, je vais la laisser là. Salut Geeks Files. Comment est-ce que ça va? Ah oui, je suis encore dans zombie. Je suis accro à ce jeu. Depuis que j'ai compris ce qu'il fallait faire et comment ça marchait, je suis devenu accro. Bon, je vais changer de perso. Mais non, je peux pas changer de perso. Il faut que je remonte là-bas pour que je file la lampe torche au mec de l'hélico. Ensuite, une fois que je vais l'avoir remonté, je vais... Je vais voir si je peux pas faire en sorte que l'autre il s'échappe. Mais non, il a pas de lampe torche, donc c'est foutu. C'est foutu. Je vais voir si en dormant le temps passe plus vite ou pas, mais je suis pas certain. Donc là, la fille remonte. En fait, ils sont tous là-haut, quoi. Voilà, donc je vais faire comme tout à l'heure, ma technique. Je prends la lampe torche. Je la mets là. Je change de perso. Hop, on n'y voit plus rien. C'est pas grave. Je reprends la lampe torche. Je la choisis dans mon inventaire. Elle est là. Je l'utilise. Il y a du monde ce soir. Ouais, il y a beaucoup de monde, ouais. Zombie est très addictif quand on commence. Bah en fait moi je le comprenais pas avant donc mais là maintenant depuis que j'ai compris comment ça marche c'est encore pire quoi. Parce que j'imagine plein de choses à faire que je n'envisageais pas du tout. Alors par contre je sais pas quand est-ce que le jour revient là dans le jeu. Là. Parce que alors faut que je retourne au McDo donc c'est niveau 2. Non, c'est pas là que je vais aller. Je vais lui faire bouffer du McDo, là. Il va reprendre des forces. Alors par contre, il va lâcher sa. Non. C'est pas ça. Il va lâcher sa clé. Non, c'est pas ça que je voulais. D'hélicoptère. Pour prendre un max de McDo. Merde alors. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Tiens, salut MS Mion. Le daron, bonsoir. Tu as une bonne excuse pour ne plus streamer? Non, il a aucune excuse. Tiens, salut Moonbeam. Ah oh bah tiens, je pensais à toi il n'y a pas longtemps. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai chopé une compile de cassettes. Il y a Manche Caillou dedans.
Les icônes, c'est très Black Sect. Si tu as pas la notice pour comprendre, c'est pas évident. Oh, ça va encore. Y a pire. Alors, j'ai tout pris. Est-ce que je peux manger mon burger? Ouais, je reprends des forces là. Ah, il remonte bien. Par contre, là, l'autre, là, Patrick, là, il est en train de crever là. Hop, on va lui faire boire des trucs. Ouais, j'ai l'impression que les canettes de coca, elles font pas grand-chose en fait. Hein. C'est plutôt le burger hein, qui donne de la force, quoi, j'ai l'impression. Alors pour peu qu'il y ait un zombie qui ait croqué dedans avant, c'est dégueulasse, quoi. Hop. À la fine de Georges, alors on aura travaillé. Après tout le matos que Retro Redrum t'a réparé, t'as plus d'excuses JB. Ah bah non, c'est clair. Mais il en trouve toujours. Hein. De souvenir, la version 16 bits est légèrement différente niveau interface. Mais je compte bien la faire. Hein. La version. Et d'ailleurs, je cherche la version originale sur Atari pour pouvoir y jouer, quoi. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, merci pour tes shirts, Goldum. C'est sympa. Hop, on va manger. Hop, on mange encore. Bon, bah, je suis pas mal là quand même. Bon, c'est parfait ça. Allez, on va tester un truc. Donc, je reprends ça. Je retourne là d'où je viens. Hop. Merde, oula, faut que je fasse gaffe parce que sinon je vais me vautrer. Hop. Voilà, on retourne à l'hélico. Et maintenant, le petit souci, c'est notre ami Patrick. Alors, déjà, je vais rechanger de perso. Mais je vais déjà laisser la lampe torche par terre pour que l'autre la récupère. Voilà, on change de perso, on prend lui. Pourquoi est-ce qu'il s'est pas régénéré plus que ça, l'autre là? On récupère la lampe torche. Hop. On l'utilise. Mon frère là, mais je sais plus quelle version. Il a eu un coup de bol pas possible. Ah bah ouais. J'ai cherché, il y a que la version CPC à 70 euros et la version Amiga à 300 balles. Bah ouais, non, la version Amiga. Moi, les jeux Amiga m'intéressent pas, beaucoup trop cher quoi. Alors, je vais sauvegarder ma partie quand même, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas sauvegardé. Hop, introduisez la disquette. Alors, ma disquette vierge. Blank disque zombie. Hop, on insère. On appuie sur entrée. Remettre la disquette. Exactement, Mion, t'as tout à fait raison sur ce que tu dis. Il va falloir le harceler pour qu'il refasse des streams. Quand je fais le bilan des streams Amstrad qu'il y a, putain, à part Tarodius et moi, puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, et putain, il n'y a plus personne. Avant, on était au moins presque 10 quoi, à streamer. Alors, je vais reprendre mon perso, mais je suis obligé quand même d'attendre que le jour revienne. Alors, comment est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas. Parce que si je prends Patrick, le problème c'est qu'il fait nuit donc on va rien voir. Gerbi qui dit je vais rebrancher mon Amstrad 6128.
Il fallait pas le débrancher d'abord. Bon, alors là, du coup, tu dis, Paco, que le jour et la nuit sont gérés, le jour et la nuit sont gérés dans le jeu, mais il est 6h15 du mat. Alors j'espère que voilà, ça va vite revenir parce que là, je sais pas du tout. Bah, c'est revenu là. Non? C'est revenu. Ok, on va changer de perso, on va voir Patrick. Patrick, il est. Heureusement que j'ai sauvegardé avant. Il est dans son camion, Patrick. Et il crève la dalle. Alors le problème de Patrick, bah, c'est que voilà. Partout où il va pouvoir aller, de toute façon, il va se faire bouffer. Il n'y a aucune issue. Donc là, normalement, il est à la sortie près des meubles et tout ça. Donc c'est lui qui a les clés des camions. Alors il peut peut-être sortir, mais c'est pareil, il y a du zombie, donc. Faut qu'il se mine le cul de se barrer quoi. Alors s'il va par là. Ah ouais, mais moi je vais où après quoi? Voilà. Si je vais à la gauche, eh ben je peux pas y aller. Si je veux aller derrière, je peux pas y aller. Monter, je peux pas. Avancer. Bah avancer, je vais là, mais si j'avance encore un coup, je vais là. Et si j'avance encore, je suis foutu. Si je vais à droite, pareil. Voilà, là j'obtiens ça. Donc je suis coincé avec Patrick. Je sais pas quoi faire pour le faire sortir de son camion, quoi. Pour moi, il est condamné. Alors, l'autre option. CPC Power, Lâcheur, JB et mes plans d'Avenger. Ah tiens, ça c'est Bruno ça. Salut Kukulkan. Ouais, là il est mort. Si je tape ça. Je suis mort. Je suis mort! Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai sauvegardé juste avant en fait. Parce que bah voilà. J'ai mis les trois camions à l'entrée. J'ai buté tous les zombies qu'il y avait à l'intérieur du supermarché. Là, il n'y en a vraiment plus un seul. J'ai donné à bouffer du McDo à tous mes persos. Je vois pas ce que je peux faire. J'ai des objets, je sais même pas à quoi, enfin, à quoi ça ressemble. Alors je sais qu'il y a un jerrycan. J'ai vu un tuyau d'arrosage. Bon, j'en mettrais presque ma main à couper que c'est pour siphonner un réservoir et remplir le jerrycan. Alors est-ce qu'il faut siphonner les réservoirs des camions? Je ne sais pas. Étant donné qu'on a un nombre de balles illimité avec le fusil par exemple. Est-ce que quand on est dehors et qu'on a tué un zombie, est-ce que le zombie revient? Je sais pas. Tu as regardé ma vieille solution. Non mais tu te fous de moi quoi Bruno? Tu me connais? Tu crois que je vais regarder des solutions moi pour jouer à des jeux? Je regarde pas les solutions moi monsieur. Je fais ma propre map monsieur. Regarde. J'ai fait un stream hier déjà pour faire la map. Donc moi j'ai trouvé ça. Ça c'est donc la map du comment dire merde du premier niveau. Donc voilà, ça c'est t'as une entrée ici, t'as une sortie là, t'as une sortie là. J'ai découvert qu'il y avait trois clés. Et en faisant la map, j'ai découvert qu'il y avait trois camions. Donc je suis pas con, dis il y a une clé pour chaque camion. Étant donné que l'aviateur avait sa clé pour son avion et c'était le même icône, donc bon, voilà, ça c'était pas compliqué.
Donc le camion a bouché cette entrée-là, celui-là il a bouché la sortie qui est là, celui-là il a bouché la sortie qui est ici. Seulement le mec que j'ai fait rentrer dans les camions pour boucher les sorties, il a pu sortir du camion pour aller au camion suivant, mais il ne peut que aller d'un camion à un autre camion. Et il est coincé. Il est coincé dans son camion. Donc lui, je pense qu'il est, il est condamné. Carrément, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Ouais, peut-être ou pas, là, je sais pas du tout. Sniff, mon plan de base de screenshot était pas si mauvais que ça. Ah bah écoute, peut-être, hein. Mais alors moi, les solus, c'est vraiment le truc que j'ai en horreur, quoi. S'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est bien ça. J'aime bien chercher, j'aime bien faire mes trucs, là, mais... Bon, par contre, j'arrive au sous-sol, je suis systématiquement obligé de prendre une lampe torche. Donc, mais j'ai niqué aussi tous les zombies de là-dedans. Par contre, ici, il y a un disjoncteur, je sais pas comment le réparer. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un tournevis quelque part. Enfin, ce qui ressemble à un tournevis, hein, je suis même pas sûr. Là, il y a des magazines, je sais pas à quoi ils servent. Là, il y a un tuyau d'arrosage, bon, j'ai une petite idée. Là, il y a un ordinateur. Ah bah tiens, OBS qui se déconnecte. Évidemment. Voilà, normalement c'est revenu, hein. Hop, c'est revenu. C'est OBS. Ouais, donc je disais à Bruno, mais oui, je comprends là pour l'histoire des camions qui bouchent les entrées, mais ça je l'ai fait. Il y avait des clés, donc je les ai activées. Donc les camions, ils ont bouché les entrées et les sorties, ce qui fait que j'ai pu, bah, là, du coup, buter tous les zombies qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, il faut l'avancer devant l'entrée. Mais ça, c'est fait, hein, Bruno. Donc ça, j'ai fait. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que le perso qui est dans le camion, bah, il est prisonnier, quoi. Il est prisonnier du truc, quoi. Donc je vais recharger ma partie, parce que j'ai sauvegardé, heureusement, quoi. Et je vais voir si en faisant en suivant mon plan, si je peux je sais pas, aller quelque part. Mais par contre, ça va être relativement chiant parce que s'il faut recharger à chaque fois avec la disquette. Je sais qu'il y a certains endroits où on peut pas y aller parce qu'il y a des zombies. Ouais, donc je sais pas trop. Donc on va voir ça. Hop, c'est juste avant que je change de perso en fait que j'ai fait ça. Alors lui, ouais, il est mort. Hop, on va reprendre celui-là. Soyons honnêtes, je suis méga rouillé sur ce jeu. J'ai écrit la solution en 2015. Ah ouais, effectivement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diriger ce personnage-là. Non, je vais prendre Patrick. Patrick qui est... Il est où Patrick? Ah ben non, là, il est mort. Non, faut que je recharge ma partie. Ouais, parce que je peux pas aller dehors là. Je peux pas aller dehors. Les entrées sont bouchées. Donc je suis obligé de recharger ma partie. Hop, on reprend la disquette. Par contre, là, ce coup-ci, je vais pas à chaque fois recharger la disquette systématiquement, parce que ça va être vraiment relou quoi, à faire. Save game. Mince, c'est où ma disquette je crois que je l'ai mise sur le bureau. Ouais. Hop, introduire la disquette.
mettre la disquette face B. Face B, face B, elle est là. Raté. Hop. Donc je vais choisir Patrick. Introduire disque. J'ai déjà fait ça. Mais non, oh, qu'il est con ce truc. Remettre la phase 2. Bah oui. Mais c'est la phase 2 que j'ai mis. Bah oui, c'est la phase 2. Bon. Normalement, je suis dans le jour là. Ouais, voilà, il fait jour. Je vais changer de perso. Donc, Patrick. Putain, en fait, je me dis, mais c'est con, on a 4 items maximum, il a les 3 clés, on peut en prendre un quatrième. J'aurais dû lui filer un flingue à ce con. Histoire de buter plus facilement les zombies dehors. Là. Ça, c'est embêtant, quoi. Bon, de toute façon, je vais lui faire prendre un speed. On va aller essayer d'aller vite. On va essayer d'aller vite. Hop. Ah non, faut sortir du camion. Donc s'il sort du camion, il est là. Donc faut que je fasse deux fois droite. Alors droite. Droite. Ok. Alors maintenant en arrière, on peut pas, donc c'est encore droite. En arrière. Ok, encore en arrière. Encore en arrière. Encore en arrière, voilà. Là je vais arriver à l'autre camion. Encore à gauche. Encore à gauche. Et là, encore à gauche. Voilà. Bon, bah, il est là le camion, très bien. Je peux pas rentrer. Encore à gauche. Encore à gauche. Voilà, là je peux aller devant. Encore. Voilà, voilà l'autre camion. Je peux pas aller par là. Et si je vais tout droit, si je vais un peu plus loin, c'est cuit. Donc je suis coincé, voilà. Je fais le tour du bâtiment, en fait du supermarché. Je dois certainement me faire courser par les zombies. Mais je ne peux absolument rien faire. Alors je vais essayer de redémarrer un camion. Voir si je peux pas le redéplacer, mais... ça va refaire rentrer les zombies, quoi. Hop. Non, on peut même pas. Hein. Voilà. Plus d'essence. Bon, alors déjà, moi qui voulais siphonner les réservoirs des camions pour... c'est mort, il n'y a plus d'essence. Donc je pense que je vais être bloqué là pendant un petit moment. Parce que là je vois pas trop. Si ça se trouve, il n'y a rien à faire à cet endroit-là pour le moment. Je vois vraiment pas ce qu'il y a à faire. Il y a plein d'objets à l'intérieur du supermarché, donc il y a forcément des choses à faire dedans. Et le login de l'ordinateur, alors là, aucune espèce d'idée. Je voulais en fin de compte noter tout ce qu'on trouvait décrit sur les murs, de voir s'il n'y avait pas moyen de trouver un indice sur les murs du supermarché, parce que il y a plein de choses qui sont taguées, mais là franchement je sèche. Mais bon, j'aurais bien avancé déjà.
J'ai quand même compris pas mal de choses par rapport à hier et par rapport au plan. Et puis voilà quoi. Sur la version 64K, il n'y a quasiment aucun tag. Et bah ouais, si tu m'étonnes. Bah, je l'ai testé, hein, parce que j'ai ça. Il faut que je le redump d'ailleurs. Et donc c'est la version 64K de zombie qui est dessus. Et ouais, c'est triste. Les graphes sont assez tristes. Bon. Ben moi, je vais y aller. Je vais aller me coucher. Que demain, j'ai une grosse journée de boulot qui m'attend. Donc, ça va me faire du bien de dormir. Qu'est-ce qu'il y a sur Twitch qui stream quoi? Il y a Vaderedro TV qui stream Turok 2. Ouais, je sais pas trop. Il y a vraiment plus rien en stream rétro, quoi. Il y a que des trucs en 3D. C'est vraiment d'un lourd. Hier, j'ai fait un raid sur Recallbox. Bon, le mec, limite rien à branler. Il a déjà 231. Mec qui le suivent, il est blasé. Voilà, la PS1 pour moi c'est pas vraiment du rétro. Ouais, c'est pas génial tout ça. Ouais, bah moi je vous souhaite une bonne nuit quoi. Je vais voilà, histoire de faire un petit raid. Sur Vaderedro TV, il a trois personnes, le mec, quoi. Bon, moi, c'est Turok, c'est un. C'était sur Nintendo 64, ça, je crois. Il me semble bien. Avec des dinosaures. Arnoutaku fait de la 3DO. C'est quoi ça, Arunotaku? Arunotaku. Non, je connais pas ça. Ah. Et comment t'écris ça? Runo. Taku. Qu'est-ce donc?